Merci, délicieuse Caroline Lavoie, toujours aussi fantastique. Alors, ben bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter le Centre des arts de Baie-Comeau, qui est un diffuseur pluridisciplinaire qui est situé, oui, à Baie-Comeau, en région éloignée, c'est dans la région de la Côte-Nord. Et puisqu'on se fait parfois mélanger avec l'Abitibi, je voulais que ce soit bien sûr et clair. Vous avez une petite carte du Québec, alors le point rouge, il s'agit de Baie-Comeau. On n'est pas totalement au nord, mais plutôt à l'est. Je dois avouer également que pour votre information, on a l'Internet sans fil et l'été, on l'a aussi. L'année passée, c'était un mardi. Donc, notre lieu comporte deux salles, plus particulièrement. En haut, on voit le foyer de la salle de spectacle, là où se déroulent la plupart de nos activités de médiation culturelle et artistique. Sinon, on a une très belle grande salle de 840 places pour une population d'à peu près 23 000 habitants. On a également deux studios de danse très bien équipés qui datent de 2010, la nouvelle construction, parce que la salle de spectacle a été agrandie. On a presque doublé de superficie. L'ancienne bâtisse comme telle date d'il y a 25 ans, mais sinon, on a des locaux ultra moderne. Vous voyez un local de ballet plus classique et en bas, une salle à géométrie variable où on peut s'éclater, proposer des dance battles en formule gradin, des spectacles debout, aussi en formule cabaret. Mais à la base, c'est un studio de danse pour la danse contemporaine et ou la danse hip-hop également. On est un centre des arts, ce qui fait en sorte qu'on a des organismes locataires qui sont avec nous dans cette belle grande bâtisse, soit l'Académie de danse, l'Orchestre à cordes et l'École de musique, ce qui fait en sorte qu'on est très proche et ça facilite grandement la médiation culturelle et artistique. Donc, que ce soit en danse ou en théâtre ou même dans d'autres disciplines, de pouvoir proposer des activités en amont ou en aval des spectacles, c'est d'une importance primordiale pour nous. Donc, en danse, on offre toujours un martini qui est créé le soir même spécialement pour le spectacle qui est présenté. On a une rencontre avant, une rencontre informelle par la suite avec les artistes qui ont droit, eux aussi, d'avoir leur verre après le spectacle. Sinon, des ateliers, on voit ici quelques jeunes de l'Académie avec Virginie Brunel ou encore la réplique qu'on organise après nos spectacles de théâtre de création en collaboration avec les Voyagements. Sinon, ben là, c'est la portion storytelling, comme diraient nos amis français, pour parler de moi. En fait, mon premier contact avec le théâtre, c'était la pièce « Les voisins » que mes parents m'avaient emmené voir quand j'avais 4 ou 5 ans. Le spectacle n'avait pas pu débuter parce que j'étais fascinée par les décors, la scénographie. J'étais sur scène en train de courir. Le technicien a dû avertir les gens dans la salle d'aller chercher cette petite fille-là un peu tannante. C'était moi. Alors sinon, par la suite, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs contrats. C'est surtout que j'étais très proche du théâtre, donc d'avoir des contrat professionnel UDA, mais aussi amateur en théâtre, de belles expériences et un secondaire qu'on voit ici. Pour la danse, en fait, j'ai un immense respect pour les interprètes, mais malheureusement, ce n'est pas mon talent. Après quelques gin tonic, peut-être, mais sinon, je m'abstiens. Sinon, c'est pour vous donner une petite idée également de nos saisons en théâtre et en danse. Donc, le théâtre de création a une place prédominante chez nous. On a une belle collaboration, entre autres, avec le cégep de Baie-Comeau qui inscrit des pièces de théâtre à même le cursus scolaire. Donc, ce qui fait en sorte qu'on s'assure d'avoir quelques centaines d'étudiants pour certaines pièces en particulier. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour notre saison d'automne, on a choisi le spectacle L'Art de la chute comme notre spectacle 100% garanti. Ça a été un très grand coup de cœur pour moi quand j'ai vu cette pièce-là il y a presque 2 ans maintenant. On invite les gens à venir voir cette pièce de théâtre-là. Et s'ils n'aiment pas ça, on les rembourse. On est fou comme ça à Baie-Comeau. Et sinon, en danse, je suis très contente d'annoncer aussi que pour 2018-2019, on prépare une série danse, donc un package, vraiment un quatuor de 4 spectacles où on va les offrir à prix ridiculement bas. Comme plusieurs de nos collègues, la diversification puis la fidélisation des publics dans cette discipline-là est très importante. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on fait chez nous. Merci beaucoup.